Coucou Anna. Coucou Sébastien. Alors Anna, c'est comment cette troisième semaine de stage? Eh ben, cette troisième semaine de stage, c'est, je dirais, la transformation. Je suis arrivée donc il y a 3 semaines. J'étais, je dirais, décentrée. Et là, je suis beaucoup plus centrée. Voilà, et je me sens beaucoup mieux. Donc, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de transformations, de prise de conscience, avec grâce aux différents ateliers qu'on a faits ici, avec toutes les personnes présentes. Voilà, Alors, j'avais des ouais. questions sur, Oui. par exemple, la structure. On a fait une structure avec des actes psychomagiques. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a changé dans les dernières structures, dans tes dernières créations, par rapport à il y a 3 semaines, en fait? Alors, oui, en 3 semaines, on a fait quelques structures, 3 structures. Et donc, à chaque fois, on travaille sur une problématique. Voilà, et donc la dernière structure que j'ai réalisée, je me suis donc rendu compte que j'avais intégré des choses. Voilà, j'ai vraiment vu, ressenti une intégration au fur et à mesure Les semaines. des semaines. Alors, qu'est-ce qui a été intégré que tu as pu voir Ce que j'ai pu voir, c'est hier? ouais, hier, donc j'avais travaillé il y a 2 semaines sur une structure, travaillé sur la structuration justement. Et puis quand j'ai fait ma dernière structure, je me suis rendu compte que c'était très simple et de structurer les choses. Voilà. Donc j'ai pris conscience que il y a vraiment des choses qui se sont intégrées. Et puis ça c'est génial en fait, ouais. Et en fait, ouais, si tu n'étais pas resté 3 semaines, en fait. Si j'étais pas restée longtemps, ben, plus on reste longtemps, plus on travaille, on intègre les choses, voilà. C'est logique. C'est logique. Donc d'où l'intérêt de si on peut se le permettre d'aller plus en profondeur. Et là, ce stage était avec Samuel Hannibal. Oui, alors cette semaine, il y avait Samuel, donc il y avait un duo Sébastien-Samuel. Chacun travaille, alors sont très complémentaires et ils ont leur particularité. Et c'était super parce qu'on a pu aborder des structures d'un point de vue plus organique, je dirais, avec Samuel. Voilà, donc on a pu bénéficier d'un spectre un peu plus large C'était comment dans la forêt l'ouverture du portail? l'ouverture du portail. Nous avons créé un portail dans la forêt Bon, avec ce qu'il faut, Samuel et nous l'avons activé ouais, alors avec nos bâtons de pouvoir et on a nos objets de créé, voilà, pouvoir. on a créé des bâtons de pouvoir et puis Des objets. des objets de pouvoir. Et puis il y a eu un moment magique où on a pu communier, je dirais, Avec la forêt. avec la forêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment dire? Voilà, on élève un peu nos sens sont plus élevés, plus sensibles, et on a des, comment dire, des ressentis, des perceptions qui sont plus affinées et plus vibrantes. Donc il y a des moments, il y a eu des moments dans la forêt où il y avait une réelle alchimie quelque part du groupe et une magie en fait tout autour de ça. Voilà, donc c'était une expérience assez
assez vibrante et magnifique. Ok, super. Okay. La nourriture, ça, c'était comment? La nourriture, eh ben, on mange du vivant, voilà, et on prend vraiment plaisir à se nourrir de vivant et de belles choses colorées, vivantes, naturelles. Et puis chacun, enfin chacun, on partage des plats, voilà, enfin c'est très chouette. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent à venir? Bah franchement, en fait ça amène à une réelle transformation. Ça vraiment c'est un stage qui vraiment permet d'élargir sa conscience en fait. Donc voilà, tout simplement. Et en tant qu'empath, Ouais. qu'est-ce qui a changé dans ta perception du monde depuis bah, 3 semaines finalement? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, bah, en fait, ce stage, j'ai au niveau émotionnel, donc je me suis abandonnée. En fait, il y avait cet espace où j'ai pu abandonner, laisser les choses venir et laisser les choses être et se partager. Comment dire, ça s'est affiné. Il y a des choses qui se sont libérées et puis affinées et élargies. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis davantage capable de ressentir peut-être, de voir des choses, il y a tout qui s'affine, il y a tout qui s'expand et il y a tout qui... Plus de détails, c'est ça? Plus de détails, plus de perceptions. Donc ceux qui sont intéressés justement comment dire, Augmenter leur à perception. augmenter, merci, leur perception, c'est vraiment... Ce stage est bon pour ça. Voilà. C'est vrai qu'avec la nature, ce qu'on mange, le cadre, Ouais. tout est fait pour augmenter vos Ah oui, le perceptions cadre est et pour, magnifique. ouais, Voilà. pour que ce soit au naturel en fait. Ouais. Et puis, il y a aussi plus de vérité entre les gens. Quand on voit très bien quand des nouvelles personnes arrivent. On a un petit peu ce qui est normal dans nos personnages, armures, etc. Et ça commence à tomber petit à petit. Et vraiment, il y a une beauté intérieure qui se révèle. Enfin, le naturel, la fluidité chez les gens se veut. On voit la transformation, l'être Apparaît. qui apparaît. Donc en fait, voilà. Personne disparaît, l'être apparaît. L'être apparaît. Donc il y a vraiment un, il y a vraiment, c'est-à-dire que c'est un stage qui nous permet de vivre et de se transformer, vraiment. Et quand Ouais. tu avant de venir, Avant de venir. Tu imaginais quelque chose ou pas sur le stage? C'était quoi l'élan d'ailleurs? Bah, l'élan, en fait, l'élan. Dès que j'ai su qu'il y avait un stage, je me suis inscrite parce qu'il y avait vraiment un élan de l'être à venir. Voilà, c'est simple, Mais tu enfin. savais pas pourquoi non plus. Si, Si. enfin, je veux dire, je me posais même pas la question. Je savais que ça allait être transformateur. Mais tu Je savais suis pas pas sûre, oui. que tu allais travailler sur la structure. Non, je savais pas que je ne savais pas quel type de travail et d'atelier était vraiment enfin, proposé. En fait, voilà. Et tous les exercices qu'on fait sont variés et amènent vraiment à se libérer de plus en plus, à enlever les masques, je dirais, enfin schématiquement.
et à augmenter le ressenti, sa capacité à ressentir à l'intérieur de soi plus de fluidité, plus de, on est plus aligné à sa propre vérité, entre guillemets. Et puis les rapports humains avec les autres, c'est vachement riche. Et on fait l'expérience. Comme il y a plus davantage d'ouverture, évidemment, le rapport avec les autres est encore plus extraordinaire, je dirais. Enfin, extraordinaire. Oui, plus Plus profond, plus profond, vrai, plus plus vrai. extraordinaire, Ouais, voilà. authentique et plus Exactement. réel. Et plus réel, voilà. Et ça, c'est déjà juste ça. C'est énorme et il n'y a pas que ça. Et après, aussi, on voit beaucoup dans ce stage, en tout cas en ce qui me concerne, c'est plus clair aussi ses propres fonctionnements, ses propres mécanismes, ses propres freins. On voit beaucoup plus clairement donc sur beaucoup de choses. Et vraiment, encore une fois, ce stage, c'est vraiment, on fait l'expérience de, c'est pas, c'est, dans le corps, il y a des choses qui se transforment, il y a comme une alchimisation, il y a vraiment, c'est du concret, c'est pas juste un C'est pas stage, théorique, c'est pas c'est pas théorique, c'est intellectuel. vécu, c'est ressenti, c'est, ou c'est, ça s'ouvre et en fait, comment la spécificité ou le potentiel s'ouvre comme une fleur. Excusez-moi Un nénuphar, un lotus, on un dirait. lotus, voilà. Chez les Bouddhas, Et un lotus. juste ça, c'est. J'ai pas envie de partir, en fait. Voilà. Ah, Je devais rester 2 semaines. Là, c'est ma 3e semaine. Je pars tout à l'heure, mais j'ai qu'une envie, c'est de continuer Et si tu pouvais, tu à. resterais. Si je pouvais, je resterais. Et puis, ça m'a donné une direction, en fait. C'est ça aussi la richesse, c'est que ça donne un axe. Chacun, voilà. Ça donne une direction et ça donne envie de continuer, en fait, à évoluer et à se transformer. Voilà, vraiment pour moi, j'ai fait beaucoup de stages. Bon, bien sûr, chaque stage a ses ouvertures, mais pour moi, vraiment, le stage que je viens de faire ici à Saint-Nexant, je crois que c'est le plus complet, en fait, c'est le plus ressenti, le plus vécu, le plus intégré. Voilà, Le plus intense. le plus intense, ouais, le plus intense. Et c'est le début, en fait. C'est le début d'un retour à moi-même et d'une ouverture. Et D'une bon, nouvelle vie. Sébastien, gratitude, hein, parce que Merci. voilà, ouais. Et ben on va faire des gros bisous à toutes celles et ceux qui nous Ouais, regardent. gros bisous. Bisous, je vous aime. À À bientôt. bientôt. Viendez. Il Viendez. reste encore quelques semaines Voilà. de disponibles au mois d'août. Ouais. À Merci bientôt. Sébastien. Merci. Je vous aime. Je t'aime. Si vous le sentez. Merci.